Avignon, le chemin est encore long pour arriver à Avignon. Je ne vous mets pas de pression. Je ne vous demande pas d'être excellent. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de dire, vous avez aussi votre place à Avignon. Parce que depuis pratiquement 7 ans, on répète ensemble. On travaille ensemble, mais des morceaux de vie. Ce que Jamel fait avec vous, il ne fait que mettre des mots à vos mots. C'est ça, le théâtre des blocs. C'est des mots à vos mots. Et quand on les a dit, ben, on se sent bien. Neige donc avec... Mais tu veux... Arrête de gueuler, j'ai pas sourd. Clac, clac. Mais quoi? T'as vu aller-retour? La meilleure façon de guérir, c'est les amis que vous avez. Une biscotte, voilà. Mais je te préviens, ta beefsteak frites salade te le fera-t-il même. Saloperie de Kléber. Te gelée côtelette qu'elle a quand t'es à Carrefour. Ba ba ba. C'était pas le, la route là-bas, la petite rue? Non, 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 c'est pas ce qu'ils disent GPS. C'est pas plus droit. C'est là. On n'est pas stressé du tout. On veut donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Faut pas qu'on oublie quand on doit. Faut pas stresser. Non, mais c'est naturel qu'on est stressé. Moi, j'arrive pas à... Ça dépend des jours. Mais là, on va y arriver, hein. C'est pas que je veux pas, mais les docteurs ont dit que je vais te reposer. Le docteur, t'es con qu'il va ramener la trou des serrures, je pourrais... Entre crac-crac et clac-clac, il y a une différence. Un crac-crac. T'as bouffé un dormandon? Moi j'ai 69 ans. Et il y a 69 ans, quand on habitait les corons, fallait que tout le monde soit pareil. Alors bien sûr, j'étais pas dans le coin. Donc, on m'appelait pas Monique, même si on savait que je m'appelais Monique. On disait la bossue, la boiteuse. Les gens qui parlaient comme il faut, ils disaient la figée. Je vais même te raconter une bonne. J'allais au PMU pour mon oncle. Les gens, ils se mettaient derrière moi, ils croyaient toucher ma bosse et gagner le PMU. Hein? Bien sûr, c'est vrai. Alors, devant tout ça, j'ai décidé de me prendre en main, j'ai repris mes études, j'ai fait l'université et j'ai réussi ma vie professionnelle. Oui, oui.